d'un demi-siècle après l'épisode noir du Maracanazo, la Coupe du Monde retourne sur sa terre, la terre de Pelé. Entre maintes manifestations et contestations, la Coupe du Monde est désormais une réalité dès aujourd'hui. Les 32 nations candidates sont enfin prêtes et le carnaval du football peut enfin démarrer. Bienvenue, vous êtes sur Africa TV et vous suivez le journal du Mondial. Pour ce premier numéro, nous retournons sur le stade Maracanazo, ce stade témoin de la défaite du Brésil en 16 juillet 1950. Ils seront 23 à vouloir gommer cette page sombre de leur histoire. Il fera certainement partie. Neymar dos Santos sera le sujet de notre focus. L'image du jour consacrera ses une à l'image d'Edo Krieger, l'auteur de la chanson anti-mondiale. Pour ce numéro, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un expert en la personne de Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Ruth. Avec vous, nous allons passer au crible l'actualité de ce mondial. Et si vous êtes prêts à vivre ces 30 jours d'intenses sensations avec nous, c'est parti pour notre première rubrique. Jean-Charles, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dites-moi, l'année 1950 a été une année sombre dans l'histoire du Brésil, quand on sait cette vague de contestation qui a suivi après la défaite. Est-ce que les Brésiliens ont le droit de garder ce souvenir en tête? Bien, on dirait que 60 ans après, non. Mais il faut dire que le fantôme est encore là. Le fantôme est encore là. Mais ils ont tout à gagner aussi dans cette Coupe du Monde et qu'ils jouent chez eux. Alors je pense qu'avec cette équipe talentueuse qu'ils ont, ils doivent quand même passer à autre chose. Le fantôme est encore très présent même dans la mémoire. 60 ans après, il n'a pris aucun ride. Regardez. À Rio de Janeiro, le légendaire stade Maracana, le temple du football que tout amateur rêve de visiter. Mais au Brésil, il est aussi connu pour avoir vu s'envoler l'un des rêves du pays. Le 16 juillet 1950, en finale de la Coupe du Monde, la Seleção s'incline face à un tout petit voisin, l'Uruguay. Une défaite 2-1 connue sous le nom de Maracanazo et qui reste 64 ans plus tard une blessure cuisante. Ce qui s'est passé au Maracanã en 1950 a été une énorme déception pour nous tous, les Brésiliens. Nous nous attendions à gagner la Coupe du Monde et nous avons été bouleversés de voir l'Uruguay battre le Brésil. Avec un record de 5 titres mondiaux, le Brésil a depuis largement réaffirmé sa réputation de superpuissance du football. Mais pour de nombreux Brésiliens, il n'y a qu'un seul moyen de guérir l'affront du Maracanazo. C'est une malédiction qui nous poursuit depuis 64 ans et qui nous fait du mal. Si nous gagnons la Coupe du Monde en 2014, nous allons exorciser ce fantôme en le renvoyant d'où il est venu. Et nous pourrons respirer plus librement ici. Les Uruguayens, de leur côté, espèrent bien rejouer le scénario de 1950 lors du Mondial. Après avoir bataillé pour se qualifier, le pays s'accroche à son lointain triomphe. Une publicité récente de la marque Puma, l'équipementier de l'Uruguay, met en scène le fantôme de 1950 qui revient hanter les Brésiliens. Un documentaire sorti cette année retrace également ce qui fut la deuxième victoire du pays en Coupe du Monde. L'Uruguay a atteint ensuite trois fois la demi-finale, dont celle du dernier mondial en Afrique du Sud. Parmi les spectateurs, le seul joueur du match encore en vie, Alcides Guicha, c'est lui qui a tiré le but assurant la victoire de son équipe. Les gens, surtout à l'étranger, m'ont toujours demandé comment un pays aussi petit pouvait avoir autant de titres. Les Uruguayens vivent pour le foot, ils adorent le foot. Ils commencent à jouer dès l'enfance et c'est pour ça qu'il y a tant de joueurs. Pour les Uruguayens, le Maracanazo restera l'histoire de David contre Goliath. Pour les Brésiliens, le mauvais souvenir est aussi un rappel opportun qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Les Brésiliens sont encore optimistes, ils croient qu'ils pourront oublier ce fantôme.
Mais est-ce que cette équipe de l'Uruguay qui a surpris tout le monde, on ne s'attendait pas, hein, on ne s'attendait pas à ce qu'elle surprenne l'équipe du Brésil, cette grande équipe du Brésil. C'est clair, 20 ans après la première Coupe du Monde, le premier sacre, c'est clair qu'on s'attendait véritablement à ce que le Brésil remporte sa Coupe du Monde chez elle, puisque le football était devenu déjà une culture. La première fédération, je crois, elle a été créée en 1914. Donc 36 ans après, on se dit que carrément les rouages sont déjà placés. Donc on se disait que le Brésil allait remporter sa Coupe du Monde. Ça a été véritablement une surprise, puisque le match s'est départagé entre ces deux équipes qui se sont rencontrées. Voilà, on appellera ça la finale. Et cette équipe de l'Uruguay soulevait là son deuxième trophée face au Brésil. C'est cela. Jonas Saraca nous replonge dans l'histoire de cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe du Monde. Sous l'impulsion du Français Jules Rimet, alors président de la Fédération Internationale de Football Association FIFA, la Coupe du Monde voit le jour en 1928. L'organisation de la première édition enregistre 6 intentions de candidature. L'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Hongrie et l'Uruguay. Le contexte économique de la fin des années 1920 est marqué par une forte récession. Seul l'Uruguay, vainqueur du tournoi olympique de 1924, est disposé à payer le voyage et l'hôtel aux équipes participantes et à pouvoir garantir la construction d'un nouveau stade. Au finish, la FIFA concède à l'Uruguay l'organisation de la toute première édition du Mondial 2030. Tous les 4 ans à compter de cette date, la messe du football mondial sera dite. Telle est la décision de l'instance fédérale internationale. À Montevideo, 6 autres nations rejoignent le pays organisateur. Au bout du compte, l'Argentine et l'Uruguay, 2 pays à forte rivalité sportive pour s'être rencontrés une centaine de fois, arrivent à se hisser en finale. Au terme d'une confrontation épique au stade Centenario, l'Uruguay s'impose à domicile 4-2 et inscrit son nom au panthéon de l'histoire comme première nation à avoir remporté le titre mondial. Pour la Coupe du Monde, c'est le début d'une aventure dont les pages ne cessent de s'écrire. 1934 et 1938 marqueront une autre étape de la jeune compétition. Après l'édition de 1938, la Coupe du Monde va observer une trêve de 12 ans. À la reprise en 1950, la compétition se joue tous les 4 ans et cela sans discontinuer. En termes de palmarès, Européens et Sud-Américains se disputent régulièrement le sac mondial. En 19 éditions, l'Europe l'a remporté 10 fois, avec 4 titres pour l'Italie, 3 pour l'Allemagne. L'Angleterre, la France et l'Espagne ont chacun obtenu un titre. Le continent américain s'en sort avec 9 trophées, 2 pour l'Uruguay, 2 pour l'Argentine. La Palme d'Or revient au Brésil avec 5 couronnes. L'Asie et l'Afrique sont toujours la conquête d'un premier trophée. En 20 éditions, le Brésil totalise 20 participations. Le 5 étoiles du football mondial détient en plus de ses records celui du plus grand nombre de buts marqués, avec 210 buts, compétition des légendes, le mondial a révélé des talents. Raymond Kopa, Juste Fontaine, Pelé, Johan Cruyff, Michel Platini, Diego Maradona, Ronaldo ou encore Zinedine Zidane sont entrés dans l'histoire du football. À eux seuls, ces joueurs en constituent le référentiel. Le mondial brésilien de 2014 s'organise sous fond de revanche. Les Cariocas peuvent-ils effacer le souvenir de 1950 ? Le Brésil reste à ce jour la seule nation à avoir disputé toutes les phases finales, 19 au total, 5 trophées à la clé. De ce fait, le Brésil est carrément favori. Oui, le Brésil est le favori de sa Coupe du Monde. Et puis, il y a beaucoup d'autres facteurs qui militent en sa faveur. Être favori aussi, ça donne la pression quand on est chez soi au Brésil. Et surtout quand on est brésilien, comme vous l'avez dit. Ça donne forcément la pression avec cette vague de contestation et tout. Mais je veux dire qu'au-delà de ça, le Brésil a à cœur quand même de remporter sa Coupe du Monde, comme on l'avait dit. C'est sa Coupe du Monde et ils ont à cœur de remporter cela. Donc un statut de favori dans le groupe A avec le Cameroun, la Croatie et le Mexique. Une Coupe du Monde à domicile. Comment les Brésiliens perçoivent cette pression ? Regardez. Il y a beaucoup de pression sur notre sélection qui joue de cette compétition à la maison. D'autant plus que la première fois en 1950, nous n'avions pas réussi à la gagner. Il y a donc une pression très forte, mais quand tu rentres sur le terrain pour jouer, je pense qu'il faut que tu oublies tout ça. Cette pression de...
Cette pression d'être les favoris, ça ne me dérange pas. On sait le potentiel qu'on a. On connaît nos objectifs. Donc cette pression qu'on a est même une bonne pression, parce qu'on reste alerte. Les Brésiliens ont envie de la gagner cette coupe, hein, même aux sommes que le Sal investit dans cette organisation ne va pas empêcher de bien jouer. D'ailleurs, je veux dire même que ça doit au contraire les motiver, parce que comme vous l'avez dit, les sommes colossales justement investies pour l'organisation de cette Coupe du Monde, les contestations qui font rage actuellement, oui, ils ont à cœur de gagner cette Coupe du Monde. Et moi, je voudrais quand même peut-être mettre une pièce un peu plus tard, après le premier match, qui sait, sur le Brésil. Comme le Brésil, il y a d'autres nations qui ont envie de briser ce rêve brésilien, qui ont envie de faire oublier au Brésil qu'elle peut gagner. Des nations comme l'Espagne, l'Argentine et l'Allemagne. C'est sûr. Surtout la raclée que l'Espagne a prise lors de la finale de la Coupe des Confédérations. Je pense que c'est une génération aussi, même si elle est quand même en fin de cycle et qu'on essaie de, comment dire ça, de remettre en selle une autre génération pour ce passage de flambeau. Je pense qu'ils auront quand même à cœur de vouloir montrer qu'ils peuvent partir sur une bonne note quand même. Voilà. Et l'Allemagne est toujours à la recherche quand même depuis des années de ce sacre. Il faut dire qu'ils ont une constance quand même en Coupe du Monde, limite demi-finale. Ils ont à cœur aussi de remporter. Ils ont une belle génération d'ailleurs. Voilà. L'Argentine, je pourrais dire que c'est le second pays quand même sous pression. Pourquoi ? Parce que avec cette pléiade de stars, de buteurs qu'ils ont, ils ont d'ailleurs la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Et Messi, qu'on a longtemps critiqué depuis le début de la saison, on disait que voilà, il veut se préparer pour la Coupe du Monde. Eh bien, l'Argentine va essayer tant bien que mal de remporter ce trophée. Quelle est la place des outsiders ? Et d'abord, quelles sont ces équipes qu'on dit outsiders ? Ben pour moi, on pourrait parler de l'Uruguay quand même comme outsider. D'abord, c'est un bel outsider, mine de rien. Ils créent beaucoup de problèmes avec leur jeu rapide, tonique, qui sont vraiment rigoureux dans la tactique. Et je pense que c'est une équipe qui va créer beaucoup de soucis aussi, bien qu'il y ait quelques problèmes au sein de l'équipe avec des blessés. Mais je pense que c'est un bloc équipe quand même qui fera forte impression. Et cette Belgique-là, d'Eden Hazard, est-ce qu'elle ne peut pas nous surprendre à cette Coupe du Monde ? Oui, c'est la jeunesse. Ce sont des feux follets. C'est la jeunesse, je veux dire. C'est une équipe qui a faim, qui a soif de démontrer justement tout le talent qu'on dit d'elle. Donc, c'est une équipe qui pourrait démontrer quelque chose de formidable. Oui, parce qu'ils ont la jeunesse avec eux. Et donc, ils pourraient forcément nous impressionner. Les 5 représentants de 2010 se sont qualifiés pour 2014. Quelle équipe, d'après vous, sort du lot ? Bon, déjà, il faut rappeler que, au vu des matchs amicaux, moi, je pourrais mettre une pièce sur le Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, avec de la volonté, avec véritablement un esprit tactique, un respect de la tactique et de la rigueur même dans son jeu, je pense que le Cameroun peut aller loin. Et le Ghana, qui dans sa poule a les États-Unis, l'Allemagne, le Portugal, est-ce que ce Ghana-là, qui a été huitième de finale en 2006, en quart de finale en 2010, est-ce que les Ghanéens vont enfin nous envoyer dans cette demi-finale que tous les Africains attendent ? Déjà, il faut le dire, le Ghana est dans une poule très difficile. Très difficile. On a suivi le match déjà des États-Unis face au Nigeria. Les États-Unis ont fait quand même une bonne impression. Et je pense que c'est une poule très difficile pour le Ghana, mais encore, les équipes africaines, comme je le dis, et particulièrement le Cameroun ou le Ghana,
ont toutes les potentialités justement pour créer la surprise. C'est ce que je dis. Il faut justement qu'elles arrivent à comprendre cela et qu'elles arrivent à jouer pour cela. D'accord. Voilà, pour créer la surprise, c'est cela. Et la surprise, on peut la créer que lorsqu'on a tous ses joueurs au complet. Et malheureusement, actuellement, dans certaines équipes, il y a des vents, il y a des rumeurs sur la santé, par exemple, de Yaya Touré, Eto'o qui n'est pas très en forme. Est-ce que ça ne va pas peser un peu sur ces effectifs qui s'appuient d'abord sur ces éléments clés? Oui, ça pèse forcément. Maintenant, il y a un autre facteur aussi qu'en Coupe du Monde, on oublie. Souvenez-vous, en 2006, quand l'Italie remportait la Coupe du Monde 2006, on a découvert un joueur, Grosso, qui sortait de presque nulle part et qui a véritablement fait forte impression à cette Coupe du Monde. Donc je veux dire, et qui a participé, je veux dire, à près de 50 voire 60% au sacre de l'Italie. Alors il n'est pas anodin de pouvoir découvrir aussi des joueurs qui viendront, qui auront leur chance aussi et de démontrer toute l'étendue de leur talent. En tout cas, eux, ils n'auront pas de pression ni de pénalty à tirer parce qu'ils ne seront pas qualifiés. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Je veux parler de Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski ou encore Gareth Bale du Real Madrid. Est-ce que ces absences vont atténuer un peu l'appétit du public sportif qui sera présent au Brésil? Oui, c'est des joueurs classe mondiale, voilà, qu'on aimerait voir dans une Coupe du Monde. Un joueur comme Zlatan Ibrahimovic qui a affolé les compteurs de buts. Un joueur comme Gareth Bale qui nous a fait forte sensation durant cette Ligue des Champions, durant cette moitié de saison. On aurait bien voulu les voir à la Coupe du Monde. Maintenant, Zlatan était face à Cristiano Ronaldo. On n'est pas déçu d'avoir Cristiano Ronaldo. Voilà. Ouais. On n'est pas déçu d'avoir Cristiano Ronaldo. On n'est pas aussi déçu d'avoir Brésil-Croatie dès ce soir. Ce match que tout le monde attend. Ça fait 4 ans qu'on attend ce match Brésil-Croatie. C'est deux équipes qui se sont déjà croisées. Et à chaque rencontre, ça a été un peu difficile. Est-ce que les Brésiliens n'ont pas raison de craindre un peu cette équipe? Oui, c'est normal. Ils devraient même craindre, respecter cette équipe. Ils devraient la respecter. D'autant plus que c'est une équipe qui joue formidablement bien au football, parce que c'est un pays déjà qui sort du démembrement de la Yougoslavie, qui, dans le temps, joue un football intéressant, un football très, 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 très beau à voir. Voilà. Et ils ont une rigueur tactique aujourd'hui, depuis des années quand même, qui est impressionnante. Ils ont un bloc équipe, ils ont une solidarité offensive comme défensive, ils ont tout pour justement poser et créer des problèmes au Brésil. Donc le Brésil devrait rester sur ses gardes, ne pas trop jubiler d'abord avant d'avoir joué ce match. Et vous l'avez dit, parce que dans cet effectif de la Croatie, il y a des noms, il y a de grands noms. Tout à fait. Mario Mandzukic du Bayern, Ivan Rakitic de la Séville. Est-ce que ces noms-là peuvent influencer en tout cas un jeu comme l'ont fait cette génération dorée de 98 avec un certain Boban? Est-ce qu'ils pourront influencer ce jeu-là aujourd'hui? Mais c'est sûr, regardez aujourd'hui un garçon comme Modric, Luka Modric qui au Real de Madrid, quand on lui a fait confiance, quand on lui a donné les rênes du milieu de terrain, il a carrément explosé. Il a influencé le jeu du Real. Et aujourd'hui, ce sont des garçons intéressants à voir jouer. Des défenseurs comme Subasic qui sont très intéressants, qui sont solides défensivement. La Croatie a tous les atouts quand même. C'est une belle génération. C'est vrai qu'on ne peut pas la comparer à la génération d'Avor Suker. Mais c'est une génération qui a son mot à dire. Et une génération aussi qui peut compter sur un ancien de 98 qui est aujourd'hui l'entraîneur, Niko Kovac. Avoir un Niko Kovac sur le banc des damiers, qu'est-ce que ça apporte à une équipe? Ça apporte beaucoup, ça apporte une sérénité incroyable. Regardez même l'équipe de France aujourd'hui avec Didier Deschamps, vainqueur de la Coupe du Monde 98, avec une belle carrière avec la Juventus. Aujourd'hui, sélectionneur de l'équipe de France. Regardez cette sérénité qu'il apporte dans cette équipe de France. Quand on prend par exemple l'exemple de la Corée du Sud avec leur entraîneur, Tchoumbo, par exemple, qui lui a joué la Coupe du Monde 2002.
et qui sont arrivés, je crois, en demi-finale. Voilà, ils sont arrivés en demi-finale. Ils ont été troisième de cette Coupe du Monde. Voilà, je veux dire que c'est formidable d'avoir des joueurs qui ont fait une belle carrière internationale et qui sont sur le banc. Ils ont un vécu de la Coupe du Monde. Ils peuvent vous transmettre toutes les émotions, toutes les sensations que vous pouvez avoir. Et ça, c'est pour le bonheur de cette aventure. En tout cas, avant ce grand match, Niko Kovac, l'entraîneur des Croates, est très serein. Nous n'avons rien à perdre. Nous arrivons vraiment ici en tant qu'outsider. Le Brésil, c'est l'équipe qui doit gagner ce mondial parce que ça se passe chez eux. Donc ils ont une énorme pression. Bien que serein, il le dit, mais il faut craindre un peu parce que cet effectif de la Croatie vient diminuer à cette Coupe du Monde. D'abord, tout dernièrement, le forfait de Ivan Mukitić et aussi auparavant, Krnjčar, Ilević, Strinić aussi avaient signé un forfait. Est-ce que ça ne va pas peser sur le jeu de Niko Kovac? Ben, je pense qu'arrivant en sélection, on peut véritablement penser à ce genre d'éventualité. Maintenant, c'est à eux de nous démontrer qu'ils ont la place dans le groupe des 23. Parce qu'il peut arriver aussi ce genre de désagrément. Voilà, c'est vrai que ça va peser, mais c'est aux remplaçants de démontrer qu'ils ont leur place dans le groupe des 23. Pour les Oriverdé, le coach des Oriverdé, l'objectif pour cette Coupe du Monde est clair. On ne va pas participer simplement pour jouer. Non, on va participer pour gagner, sur tous les aspects possibles. Il nous faut arriver en finale et devenir champion. Et je peux vous l'affirmer, nous pouvons être champions. Amis téléspectateurs, vous suivez le journal du Mondial. Jean-Charles, cela fait 4 ans qu'on attend cette équipe du Brésil. 2006 a été un échec, 2010 aussi. Est-ce que 2014, c'est enfin l'occasion pour les Brésiliens qui, depuis 2002, n'ont plus remporté un trophée? Oui, c'est une occasion, d'autant plus qu'il a joué chez eux. Donc, c'est une véritable occasion, c'est une opportunité de se remettre en selle, de revenir au premier plan. En tout cas, les amoureux du football n'auront pas tort de regarder ce match Brésil-Croatie qui sera certainement lancé par un Neymar dos Santos. Neymar qui sera justement l'attraction du côté de sa ville natale de Mogi das Cruzes où l'icône, cet enfant, ce petit enfant devenu aujourd'hui une icône. C'est sur ce terrain que Neymar, l'attaquant vedette et espoir de la sélection brésilienne, a fait ses premières armes lorsqu'il était enfant. Un terrain de futsal, un football en miniature qui sert de tremplin à beaucoup de joueurs au Brésil avant de passer professionnel. Ici, à São Vicente, près de São Paulo, les jeunes considèrent Neymar comme un modèle. Il joue très bien, il est habile. J'espère un jour jouer comme lui. Neymar est né à Mogi das Cruzes, dans l'état de São Paulo, avant de déménager à l'âge de 4 ans dans ce quartier de São Vicente. Issu d'une famille modeste, il a longtemps habité chez sa grand-mère avec sa mère et son père, un ancien footballeur. Ici, tout le monde se souvient de lui. En 2003, il déménage dans une ville proche, Santos, et intègre l'équipe professionnelle. Il y jouait jusqu'à l'an dernier lorsqu'il a été recruté par le FC Barcelone. C'est dans ce stade de Villa Belmira qu'il a laissé les souvenirs les plus marquants. Le bonheur qu'il affichait avec le ballon, quelle que soit l'activité, marquait sa différence. Et bien sûr, déjà, il montrait des capacités de mouvement et des techniques impressionnantes. Malgré son départ pour l'Espagne, il n'a pas tourné le dos à son pays natal, où il continue de soutenir son église évangélique. Il aimait faire la fête, mais à l'église, il se comportait bien. Il était toujours à l'écoute. Il recherchait et il craignait Dieu. Il était sérieux à l'égard de Dieu. Il amenait beaucoup d'amis et venait souvent avec un bandeau sur lequel était écrit le nom de Jésus. Un engagement qui l'a poussé à lancer un projet pour des enfants défavorisés à Praia Grande, près de Santos. Ici, 2500 enfants devraient avoir accès à des terrains de sport, des soins médicaux ou encore des cours de soutien scolaire. Il s'agit d'inspirer les jeunes à réaliser leurs rêves, à améliorer leurs talents, à chercher la connaissance pour pouvoir se sortir de la réalité dans laquelle ils vivent.
Le transfert de Neymar, troisième joueur de football le mieux payé au monde avec un salaire de 29 millions d'euros, a créé la tourmente à Barcelone où le niveau du joueur est jugé décevant. Le crack, comme on le surnomme au Brésil, espère donc se rattraper dans son pays lors de la Coupe du Monde. Neymar a 22 ans seulement, 15 buts avec le Barça, son club, 30 en sélection. Est-ce qu'on peut envisager une équipe du Brésil sans Neymar ? Bien, vu la dimension de ce joueur actuellement, je ne pense pas. Maintenant, il ne faut pas faire de la Neymar dépendance. Voilà, il faut pallier à certains désagréments qui pourraient arriver. Il peut se blesser et donc trouver quelqu'un de valable qui pourra remplacer Neymar de sorte à ce que le jeu ne change pas trop et qu'il puisse véritablement continuer sur la bonne lancée. Voilà où ils sont. Maintenant, actuellement, non, on ne peut pas se passer de ce joueur. Il fait partie des génies, voilà. Jean-Charles, demain on aura l'occasion de faire le bilan du match Brésil-Croatie. Merci d'être venu sur notre plateau. Oh, c'est moi qui vous remercie, Ruth. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci au Temple du football. Merci à Divastar. On se donne rendez-vous demain dans ce même Temple du foot pour le débrief de la rencontre Brésil-Croatie. Et on marquera un coup d'arrêt sur le match qui nous intéresse tous, Mexique-Cameroun. À très vite sur Africa TV.